Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle recette de produits ménagers de maison, bio, écolo et économique. Je vais vous présenter aujourd'hui mon spray nettoyant. Alors oui, c'est dans une bouteille de lotion anti-moustique vieille et vide, mais ce qui est cool, c'est que ça recycle. Alors en fait, j'ai découvert la recette de ce spray nettoyant et c'est vraiment génial parce que ça nous a permis d'arrêter les lingettes. Avant, on faisait tout avec des lingettes Javel, que ce soit pour nettoyer les toilettes sèches, que ce soit pour nettoyer la table du salon ou les plans de travail de la cuisine. On utilisait des lingettes Javel. Alors c'est pas très bio du tout même, c'est pas très écolo parce que ça fait énormément de déchets. Donc, nous nous dirigeons vers ce spray nettoyant qui va nettoyer, désinfecter et laisser une super bonne odeur. Et la recette est toute simple. Il va vous falloir donc un contenant adapté, de préférence avec un pchit. Il va nous falloir également du vinaigre blanc ménager, du bicarbonate de soude. Alors vous allez me dire, mais elle est folle, le bicarbonate de soude et le vinaigre, ça mousse. Bah oui, c'est vrai, mais c'est ce qu'on veut dans le spray. Donc il va falloir l'ajouter avec délicatesse, le bicarbonate. Un petit peu d'eau et pour finir, on va y mettre encore une fois des huiles essentielles pour la bonne odeur. Et pour cette recette-ci, j'ai choisi l'eucalyptus citronné parce que ça dégage une odeur de fraîcheur dans le van, c'est vraiment génial. On passe à la recette tout de suite. Je vais avoir besoin d'un petit récipient avec bec verseur, ça aide. Il va nous falloir également du vinaigre blanc, on en met à peu près 200 ml. Et à ça, on va ajouter le bicarbonate. Alors vous allez le voir, le bicarbonate et le vinaigre blanc ont une réaction chimique très importante. Ça mousse énormément. Donc on met le bicarbonate doucement. Comme vous le voyez, ça mousse. On en rajoute un petit peu. On va rajouter de l'eau, à peu près la même quantité que le vinaigre blanc, donc 200 ml. Voilà. Et afin que vos meubles ne sentent pas le vinaigre blanc dans tous les sens, on va y rajouter de l'huile essentielle. Encore une fois, je choisis l'huile d'eucalyptus pour ses propriétés odorantes et purificatrices de l'air. Donc là, on peut en mettre une bonne dizaine. Voilà. On va bien mélanger grâce à l'aide de ma baguette chinoise. Et là, même si j'ai un bec verseur, il va falloir que j'utilise l'entonnoir parce que le trou est tout petit. Et voilà, mon spray nettoyant universel est prêt. Donc encore une fois, c'est une recette qui est extrêmement simple, extrêmement rapide à faire et super utile au quotidien. On vaporise, tchouk tchouk, et avec notre petite lingette, on va venir essuyer. Voilà, donc si vous aussi, vous voulez passer en objectif zéro déchet et arrêter les lingettes Javel, vous savez maintenant comment réaliser votre spray naturel, biologique, écologique, en fourgon aménagé ou ailleurs d'ailleurs. Si vous avez des recettes différentes pour des sprays nettoyants, des sprays universels, on appelle ça, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Je serais ravie d'en apprendre plus. Et si vous avez aimé cette recette et cette vidéo, vous nous mettez un petit like s'il vous plaît. Gros bisous !